Bonjour à tous. La suggestion d'aujourd'hui, c'est des brioites, des briques farcies avec de la viande hachée et des légumes frits. Donc, on va passer tout de suite aux ingrédients. Donc, j'aurai besoin à peu près de 400 g de viande hachée, 2 carottes râpées, un oignon haché pour les épices, du poivre, paprika, cumin et sel. 2 cuillères de coriandre et persil et 2 gousses d'ail, 3 œufs. Donc, dans une poêle, je fais revenir mes oignons. Après, je viens rajouter la viande que je ferai également revenir quelques minutes, une dizaine de minutes à peu près, maximum. Donc après, je viens rajouter coriandre, persil et ail et les épices. Je fais revenir encore 3-4 minutes. Après, je viens rajouter les carottes râpées. Je fais revenir encore 2 minutes à peu près. Avec cette farce, pour les personnes qui aiment le piquant, c'est super succulent avec le piment. Avec, on peut rajouter un petit peu d'harissa ou quelque chose de piquant. C'est très très bon avec. Et moi, je ne le fais pas vu qu'aujourd'hui mes enfants ils font le ramadan, ils sont encore jeunes, ils aiment bien ce genre de briques, donc je ne mets pas de piquant. Là, je rajoute les œufs. Mais par contre, je ne vais pas les faire cuire complètement, juste je remue pendant 1 minute maximum. Je mélange le tout. Voilà. Après, je laisse refroidir. Une fois que c'est bien froid, je viens rajouter une poignée de fromage râpé. Voilà, j'ai préparé un petit bol avec un peu de farine et un peu d'eau pour coller la pâte, les feuilles de brique. Donc, je coupe la feuille de brique en deux et chaque partie, je viens la plier en deux et je mets à peu près une cuillère de farce. Et je commence à plier la brique en triangle. Voilà, après je vais venir coller avec la farine que j'ai préparée et l'eau. On peut utiliser un pinceau. Moi, c'était vraiment la dernière minute, donc je faisais vite. J'ai fait avec le doigt. Parce que ce genre de recettes, on les fait frire vraiment à la dernière minute pour que ça reste chaud. Donc, je fais une deuxième. Voilà, le pliage est très facile. Il faut juste à chaque fois mettre le doigt là en appui, comme ça la farce elle ne risque pas de sortir. Il faut pas qu'il y ait des petits trous. Voilà, on essaie de coller. On peut même couper la partie qui reste, on peut la couper, ça gêne pas. Donc voilà, après je fais chauffer l'huile dans une poêle et je les fais frire. Ça prend pas beaucoup de temps. Ce genre de briques, on peut bien sûr les faire au four, mais elles sont nettement meilleures quand elles sont frites dans une poêle. Donc j'ai déjà essayé au four, mais elles sont meilleures comme ceci, à la poêle. Mais il n'y a pas beaucoup d'huile, juste ce qu'il faut. Donc, les faire cuire d'un côté, puis venir les retourner. Voilà, les servir avec un filet de citron, petite tranche de citron. C'est très bien. Et quand on les retire, il faut bien sûr les poser sur un papier absorbant
pour enlever tout l'excédent d'huile. On peut varier, on peut rajouter des légumes, on peut rajouter de la courgette, on peut même rajouter de la pomme de terre écrasée. On peut varier, on peut faire ce qu'on veut. Voilà, une fois que c'est bien doré, on les retire. J'espère que cette vidéo vous a plu, sont bien dorées. Moi, je vous dis à très bientôt pour la prochaine. Sahab.